Peggy 12. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle aventure épopée sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, un jeu où le son vient de se couper parce que le jeu se coupe souvent. Alors, le son de ce jeu se coupe souvent, je ne comprends pas pourquoi sur ça. Du coup, en tout cas j'espère que vous allez très bien, moi ça va. Vous aurez le premier épisode de cette aventure après avoir terminé... normalement, c'est bien dans pas très longtemps, Super Mario 3D World. Et donc moi je commence le jeu, maintenant, moi j'attendais. Comme ça vous aurez des épisodes en avance. En tout cas je vais faire une aventure, c'est-à-dire que je vais faire l'aventure du jeu, c'est-à-dire le solo, les quêtes solo. Bien sûr vous aurez ce compte, c'est un compte à part, mon compte personnel. Je vais votre inscrit, mais ça c'est personnel, c'est mon compte à moi. J'en ai un autre qui est sur mon téléphone, ou c'est quand je passe en déplacement, quand je bouge un peu. Et celui-là, ce sera pour uniquement les vidéos, donc c'est-à-dire qu'on fera les événements, on fera tout, on fera les invocations. Bien sûr, les invocations sont une vidéo à part, car on sait qu'on mélange tout. Donc, quatre événements seront dans la même vidéo, invocations seront deux vidéos différentes, mais bien sûr, vous n'aurez pas les vidéos. Des invocations après, alors par exemple, si je fais une vidéo où on a déjà le personnage en question qu'on a eu dans la vidéo, où je vous montre la vidéo après, il n'y a aucun intérêt. Donc, bien sûr, les vidéos d'invocation seront avant le prochain épisode, bien sûr. Sinon, ça n'aurait aucun sens. Voilà, donc nous allons commencer. Le son s'est coupé malheureusement, donc je ne vais pas pouvoir faire mieux. Je crois que je mettrai. Une petite musique en fond maintenant quand ce sera coupé, donc là vous avez déjà des petits trucs, donc le compte je l'ai fait il y a un moment, je me suis décidé c'est bon aujourd'hui je vais commencer, donc c'est pour ça que vous voyez rang 1, mais vous voyez déjà 62 Dragon Stone parce que ça fait déjà 15 jours que j'ai fait ce compte et donc j'ai déjà pas mal de gemmes, donc je pense qu'on va commencer à faire le solo et la deuxième vidéo ce sera une vidéo invocation où nous allons faire déjà la petite invocation du sprint pour un SR, donc je vais faire tomber. C'est pas grave, de toute façon les deux sont simples, de toute façon c'est un truc assez simple. Vous avez celui-là, où on va avoir un SSR à garantie, donc ça va être important de faire. Et il y a maintenant le. Nouveau portail avec de bons persos. En tout cas, c'est pas le moment. On va commencer le premier épisode maintenant. Donc, j'ai mis un moment à se jouer ce Goku, un Goku agi. Voilà. Donc, j'espère tomber sur de bons persos. Alors, c'est parti, nous allons commencer. Hop. En tout cas, j'espère que cette aventure va vous plaire. Moi, j'ai très envie d'avancer dans ce jeu. Donc, premier épisode,
Une obscurance. Premier chapitre. Après le tournoi, nous allons commencer. Bien sûr, il y a l'événement triple XP, donc nous allons prendre un max XP. Ce que je vous conseille de faire, c'est commencer à faire vos trucs. Et dès que vous voyez qu'il vous reste 8-9 actes, vous allez dans un événement qu'on fera après et vous allez monter les niveaux comme je sais pas quoi. Donc c'est parti. Donc là, normalement, nous allons voir des quelques petits personnages à prendre en ami. Donc, on va prendre, bah, tiens, Vegeta Super Saiyan 3. C'est parti, start. Allez, que cette épopée commence. Toute cette histoire que nous avons entendue au grand tournoi, Matrix, parce que je ne sais pas si le tutoriel. Comme quoi, il y a des gens qui se font tuer après le tournoi. Il y a un assassin. Les éternels martiaux attaqués. Cet incident peut être lié à l'existence dimensionnelle. Essayons de trouver un expert en invention pour les interroger. Bien sûr, Trunks. Ça, je connais. Enfin, bref, donc vous allez comprendre le gameplay. Bon, on va commencer à récupérer des bons trucs. Hop, ça c'est bien, j'ai un entraînement qui sera important pour faire entraîner nos personnages. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir une médaille d'élève. Ouais, malheureusement, avec le truc des records, ça met un peu plus de temps. On va prendre des sous. Même si j'en ai déjà de rab sur les personnages, on verra ça plus tard. Intéressant pour les objets de soutien. Donc des fois on a de la merde, des fois on a des trucs intéressants. Allez, 1000. Qu'est-ce qu'on va voir? Voilà, ça c'est important par exemple, car il nous permet de récupérer toute notre vie. Les sous. On va prendre du ki. Hop. Sinon, si vous voulez plus d'astuces sur ce jeu, je vous conseille d'aller voir la chaîne de la Dokkan FR, qui font de très bonnes, très très bonnes vidéos sur comment battre les événements, genre les Dokkan, les événements Dokkan, les événements. Non, je crois que les histoires ils le font pas. Je crois qu'ils font que les événements Dokkan, comment réussir à battre les personnages en Z, en Z hard, à 42 stamina, 100 équipes de Dragon Stone. Donc là, il faut avoir les équipes de fou, mais quand vous voyez ça, ça fait, ah ouais, quand même. Donc voilà, ça se passe comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut allier deux autres couleurs. Donc j'ai mis de la couleur daltonien parce que je pense qu'il y a des gens qui sont daltoniens. Donc ça va permettre de voir. Nous, ça change pas trop grand chose, mais. Donc on va aller là. C'est un peu chaud que ça la goûte comme ça. On va aller là, comme ça Goku il aura son ultime. Et en plus on a les caractéristiques pour voir qui est le plus puissant ou pas. Donc de toute façon normalement il sera mort. Je pensais que ça allait aller à l'ultime, mais normalement nous verrons l'ultime de Son Goku. Dernière. Et voilà le travail. Donc on reçoit des sous, d'XP. Donc voilà, on peut voir les personnages qui, pour les personnages qui sont en outil normal, ils montent plus vite que les personnages genre FR, SSR, RR. Hop, et voilà, on a terminé le premier chapitre. Vous êtes des experts du combat. Mais cet homme était tellement fort. Cet homme, vous dites? Je parle de Tai Pai Pai. Les rumeurs disent que des experts en arts martiaux se font attaquer. C'est un coup du Tai Pai Pai. Ce serait donc Tai Pai Pai qui serait l'origine de cette affaire. Vous serez peut-être les prochaines cibles. Restez sur vos gardes.
Pas seulement nous, tous ceux qui pratiquent les arts martiaux sont en danger. Nous devons trouver Adolf Piper rapidement. Oui. Oui, je connais aussi. Est-ce que j'aurais expliqué? Et voilà, clair! Monsieur, ah, la musique! Ah! C'est perturbant. On passe en 2. En 3. C'est avec le triple XP. En 3, donc vos actes maximum sont de 22, les coûts de l'équipe de 52, le nombre d'années de passer à 21. Intéressant, intéressant. Tac, tac, voilà, on a gagné. À chaque chapitre, on gagne une Dragonstone, une canne de dragon. Et nous allons envoyer une invitation. Hop. Mais où est Tao Pai Pai? Deuxième chapitre. Donc voilà, on nous dit d'aller faire l'invocation, mais on va pas la faire tout de suite. Quoique. Allez. Donc on a le choix entre Sangoku, Sangohan et Piccolo. Hop, c'est parti. On va redescendre un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Oui. J'ai relâché, hein. Enfin, il jouera plus, justement. Il a pas compris. Je suis sûr que c'est la Gouillard qui veut, dommage. Je sais pas ce qu'il pourrait faire la Gouillard, malheureusement. La dernière fois, quand j'ai commencé, ça la Gouillard pas du tout. Ah, quand j'ai fait des tests, tant pis. Nous allons avoir Sangohan, super. Super, super, vu que ça nous fait un puissance. Donc on a l'Agi, Sangoku, et un puissance en Sangohan. Super Saiyan, super. Il y a Passive Feather, il a 30% de PV en plus. Et voilà le travail, donc nous allons faire notre petite template. Car vous allez tout voir. Alors, du plus 1, partage, hop, en tête finale, tu vas dégager. Non, quoi que, on va le laisser quand même. On va le laisser. On n'a pas trop de perso pour l'instant. Comme vous pouvez le voir, je peux avoir pas mal de sous pour l'instant. Hop. On va aller faire ça, on va vendre. Ah, c'est vrai. Hop, hop. Voilà, on en a 3 millions. 3 millions. Voilà. Donc là, on reçoit des petits, on va dire, succès, ou missions, je vais appeler ça des missions. En fait, quand c'est une mission, on nous donne des petits bonus, voilà, c'est ça, c'est une mission. Donc je crois que c'est ce qu'on a vendu, donc on va recevoir des points, ou une dragon fall. Donc on termine 5, voilà, vendre un personnage, on a complètement eu faux, c'est pour les entraînements, ça permet d'avoir plus d'XP, donc vous pouvez voir, hein. Hop. Donc là, bas niveau, on a que les maîtres mission de monsieur, les maîtres Karine. Après, ce sera le tout puissant et monsieur Kido. Hop! Donc voilà. Ta, 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 ta. Donc, je sais pas combien de minutes nous sommes de vidéo, donc je vais faire une pause et je vous dis à tout de suite. Donc 13 minutes de vidéo, donc ça va, on va pouvoir faire, on va pouvoir continuer un petit peu. Plus tard, on regardera les caractéristiques des personnages. Donc, Obscure Dimension. Oui, top. On va commencer. Normal. Toujours, parce que quand on finit, une difficulté, l'autre se débloque. Qui on nous allons pouvoir choisir. Pas grand chose, pas grand sens. Pas grand chose de caractéristique. Si on trouve pas une 3. C'est toujours dit. Voilà, comme vous pouvez le voir, hop. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une boule de cristal, nous allons essayer de la récupérer. Je crois qu'il faut 3
départ de 3, ce qui va nous en avoir 1, on va en avoir 1, là, 1, 2, 3, ouais, on va le garder de côté, comme ça, ce sera plus rapide. Hop. Ah, là ça lag moins, je ne sais pas pourquoi ça lag moins. Bah, toi je vais t'utiliser parce qu'on comme ça on va récupérer l'outil. Qui est plus 5 pour rien. Oh, l'utilité. On perd 1 pour récupérer l'objet. Quoi, l'objet de soutien? J'ai des problèmes de voix. Ça fait longtemps, je peux tourner. Excusez-moi. Hop, on récupère l'objet d'entraînement. Alors, 3, 3, 3, 3, 3, j'ai pas trop le choix. toujours à 3, donc je crois que c'était fait exprès qu'on tombait sur 3. Qui nous oblige à récupérer la boule de cristal. Alors, il y a une Tenshin Han qui commence. On va faire ça comme ça, on va faire ça proprement. Hop. Son Goku, on va le mettre là. Et on va faire un peu de ménage, on va passer par là avec les Cybermen. Voilà. Donc là, j'ai augmenté la vitesse hein, pour que ça aille un peu plus vite, comme ça, on perd moins de temps. On se prend c'est qui tourne à... Ah, on peut avoir... les prochains tours. Bon. Gardez-vous d'avoir qui est les prochains. Non. Alors, après c'est... Ok. Alors, il y a un choix, tac, tu vas aller là. Ça va pas dû faire ça. Ça va faire descendre la rouge, voilà. On a perdu une, donc c'est pas faux pour moi. Non, malheureusement, il n'y aura pas l'ultime 2. C'est un coucou super, ça y est, l'ultime 3. Mais non, ça se passe pas bien. Mais presque moi. Ça suffit pas. Oh, Chao Zhu l'a tué, bravo. Et il l'a mis KO. Hop, les sous. De l'XP, oui, on aime ça. Et voilà, comme j'ai dit, il s'était obligé de tomber sur 3. Voilà, une boule de cristal en plus. À vous la 5 étoiles. Et on termine. Non, je veux pas de ton conseil. Parce qu'il va nous parler du Dokkan en dessous, qui permet une fois la barre en complète et l'ultime de quelqu'un, de quelqu'un par en spécial en fait, ça permet d'utiliser le pouvoir Dokkan en fait, qui permet à la fin de faire de gros dégâts et des dégâts généraux qui attaquent tout le monde bien sûr. Un peu comme le spécial de Broly, le spécial de... comment il s'appelle de Majin Vegeta Dokkan. Ouais, je te rajoute. Ça demande la vie, tant pis pour moi. C'est pas grave. Après, c'est nous qui allons recevoir des demandes, bien sûr. Je vous mettrai dans la barre de la description. Le code pour pouvoir me permettre de me rajouter un ami si vous voulez. Car de toute façon, le nombre d'amis s'augmente au fur et à mesure que vous passez des niveaux. Donc en tout cas, nous avons fait 2 chapitres pour l'instant, expliquer un peu les bases de l'aventure. Donc j'espère que cet épisode pilote vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour référencer cette vidéo sur les chaînes. N'hésitez pas à passer sur la chaîne de TheDokkanFR. Je vous mettrai un lien dans la description et restez surtout au courant car beaucoup d'événements restent à venir sur ce jeu. Ça ne fait que commencer. Allez, ciao tout le monde.